Et bonjour mes amis, ou plutôt bonsoir l'orchidée. Donc je reviens rapidement vers vous. Je vous l'avais dit que j'avais encore des illiquides sur le coude à vous présenter. J'attends toujours le petit échantillonnage d'un juicemaker qui m'a contacté. Voilà, bref, en attendant, comme vous, j'ai dû profiter du Black Friday et je vais vous présenter un second liquide. Il n'y aura un seul liquide donc. Forcément, vidéo plutôt ramassée, plutôt courte, on est d'accord. Et là, je vais vous présenter donc en partenariat entre Belgium et Unicorn Vape, voilà, le Gorgon de la série des Pégases. Voilà, Legend of Liquid, voilà, tout un programme. Là, on est toujours sur du fruité, d'accord, on sera toujours sur un fruité. Donc, 75 de glycène végétale pour 25 de propylène glycol pour vous laisser imaginer un petit peu donc la vape que ça va dégager en termes de vapeur hein, forcément. Voilà donc pour ma part nicotiné en 3 mg donc on part sur le pastèque kiwi et d'après la description enfin d'après ce que j'en ai lu parce que ça faut que je le lise parce que c'était pas forcément acquis lorsque je l'ai goûté. Subordonné d'une touche de fraîcheur. Voilà. Alors, comme vous le savez, il y a l'ancien liquide qui est toujours remisé donc dans la tôle là. Donc j'ai ressorti mon dripper, le Dhydrabit V3. Voilà, fraîchement cotonné. Recul 10 puffs. Voilà, histoire d'amorcer le dripper. Donc pas plus que ça. D'ailleurs, je vais remettre un petit coup de jus dessus car je ne suis pas sûr, oh, ça a l'air d'aller. Enfin, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, et toujours voilà dans la gamme des fruités. On va voir si on peut effectivement profiter d'un bon produit. Alors, la jaquette qui est super belle, par contre, c'est rare quand je suis en extase comme ça, mais vraiment, elle est très très belle. Comme d'hab, peut-être une petite incrustation parce que d'ici ça va peut-être être un peu difficile pour vous la montrer. Ambiance festive, ambiance de Noël, nous sommes au mois de décembre, bientôt la fin de l'année. Et oui, encore une année qui s'écoule. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, un produit français, enfin français. Donc Unicorn en partenariat avec Belgium, donc franco-belgique, hein, si je puis dire. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Pas grand-chose, hein, si ce n'est que on va y aller. Je vais vous le goûter, puis je vais vous dire ce que j'en pense pour. Je pense, une fois nicotiné, ce produit, avec le Black Friday, ça me coûte une dizaine d'euros les 100 ml. Peut-être sur un premium, sur quelque chose qui est pas mal. Donc, on va bien voir. Allez, sans plus attendre, je revérifie que je vous ai bien comme tout décrit. Ouais, ok. Donc, jaquette intéressante, assez sympathique en tout cas, qui donne envie. Fresh and free. Série donc théoriquement on est sur une gamme fruitée rafraîchissant ok voilà j'ai une DLUO fin 2024 donc mais ça bon ok donc voilà bon écoutez sans plus attendre on va y aller hein. Je vous dis vidéo très courte et est-ce une bonne découverte ou pas parce que le précédent était vraiment super agréable je prends vraiment du plaisir à le vaper voilà, dans mon atout. N'y a pas de souci. Avec plus de recul, ce que je vous ai présenté précédemment est toujours très très intéressant. Donc, pas de problème par rapport à ça. Bon, allez, on y va pour celui-là. C'est parti. Alors, kiwi, pastèque. Telle est la question, mes amis. Alors, tout de suite, moi, la pastèque, je ne sens pas du tout de pastèque. Peut-être plus le kiwi, je dis bien peut-être. En tout cas, combinaison de ces deux saveurs. Donc, alors, quand ils disent rafraîchissant, ouais, il y a du frais, c'est vrai, il y a du frais. Après, c'est subjectif par rapport au palais de chacun, d'accord? Moi, je supporte bien tout ce qui est pimenté, tout ce qui est fraîcheur, tout ce qui est. Voilà, j'ai un palais qui encaisse pas mal de choses exhaustives.
Donc voilà, ça c'est plus à l'appréciation de chacun. Alors légèrement rafraîchissant, ouais, il l'est, effectivement, mais bon, voilà, ça ne vous glace pas les papilles pour autant, on est d'accord. Le mariage des deux arômes rafraîchissants est très intéressant, il est agréable à vaper, c'est clair. Par rapport à l'autre, je crois que je le préfère d'ailleurs légèrement par rapport à l'autre. Voilà. Pour le prix que je l'ai payé, franchement, bah, moi je ne regrette pas, il sera vapé sans aucune difficulté, ça c'est clair mes amis. Il n'y a pas de souci. Alors dans cette gamme Pégase, là j'ai le Gorgone, d'accord, donc pastèque kiwi. Bah là, pour le coup, j'ai eu chez Unique en Vape. Je ne veux pas faire de pub pour un shop en ligne ou plus, mais bon, ça vous permet de le retrouver peut-être plus facilement. Il y a toute une série hein, de jus comme ça, de Pégase. Donc là, pour le coup, voilà, je le trouve très sympathique et ça donne presque envie, effectivement, de faire une acquisition sur les autres jus pour voir ce qu'ils ont également dans le bide, voilà, pour voir si effectivement c'est de la même acabit que ce dernier. Ah, une petite ambulance derrière, désolé. Il est très très correct, très agréable à vaper. Voilà. Par rapport au jus précédent que je vous avais montré en vidéo. Ça se rapproche. Alors ça se rapproche. Là pourtant on a de la fraise dans celui-ci. Mais voilà, c'est du fruit agréable. Là. Maintenant quand même, on a rarement des déboires hein, concernant les jus. Il y a une telle concurrence au niveau des juice makers que même à des prix complètement abordables, on arrive à trouver des jus de qualité pour des prix complètement raisonnables. Voilà. Bah, pas trop de choses à vous dire le concernant, donc il m'en reste un autre à vous présenter, mais il n'est pas stipé du tout. Voilà, on sera plus sur un format de 200 ml cette fois-ci, alors qu'il ne laisse pas la place au nicotinage. Hein. Il va falloir que je remise ce jus dans un chouby adapté avec mon taux de nicotine habituel. Voilà, mes amis. Bon, ben voilà, je vous avais dit que ça serait furtif, ben, c'est le cas. Hein. Quand est-ce que je vais revenir vers vous? Je ne sais pas. Ça va dépendre de l'envoi que j'attends. Et puis, bah voilà, hein, de gré à gré, on verra la prochaine vidéo que je vous présenterai. Et puis, bah en tout cas, moi je vous souhaite bah, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis, bah je vous dis malgré tout, allez, à très vite, mes amis.